Salut à tous, si vous aimez les maquettes de chars allemands avec l'extérieur du dehors et l'intérieur du dedans, je crois qu'on a un truc pour vous. En effet, aujourd'hui je vous propose de regarder ensemble une maquette de chez Ryfield Model qui est le Panzerkampfwagen 4 aus Ausführung G oder H, qui est donc chez... Raifil Model à l'échelle 135 e et on a une grosse boîte pour beaucoup de pièces. Euh, très rapidement, euh, eh bien si euh, vous avez euh, vu la vidéo du AOSFJ euh, de euh, d'Emilien, de, euh, de, on est sur euh, donc des versions précédentes du Panzer IV. On est sur une version G et une, une version H. Donc très rapidement, je vais faire euh, un petit peu le tour de, de ces deux versions là. La version G euh, commence ses productions en 1942 et en, à la fin de la guerre, on a plus de euh, 1687 exemplaires qui ont été produits. Euh, et entre avec les, la différence avec les, les versions précédentes, c'est qu'on a un blindage qui est beaucoup plus important. On a aussi et eh bien euh, déplacé les pots fumigènes qui passent de l'arrière de la de la de la caisse à l'avant de la tourelle sur les côtés de la tourelle. On a les Shurtsun, on a l'Azimrite qui commence à se développer, à être généralisé. On a évidemment un canon qui est beaucoup plus puissant, hein, qui est, euh, qui est, enfin qui est plus performant, qui est toujours de 7,5 cm KVK 40, mais qui est L48, euh, qui donc vient remplacer les L24 et L43. Le char est plus lourd évidemment, mais surtout, eh bien on a euh, cet armement qui est important. On retrouve euh, la version G en Tunisie, en Russie, en France, en Italie, bref en Europe en Afrique du Nord et euh, sur le front de l'Est. Euh, quant à la version, a, la version H, donc elle voit le jour en 1944, en avril, euh, avec une nouvelle boîte de vitesse ZF-SSG77. Les barbotins voient leurs rayons évidés, cette fois-ci, par rapport à la version G, dont les rayons sont pleins. On a un rail euh, circulaire sur le tourello euh, du chef de char. Euh, la Zimrit est systématique sur les versions H, et euh, on a plus de 3774 exemplaires qui ont été produits, donc beaucoup plus de chars pour un poids plus lourd euh, avec euh, le, même, euh, le même canon euh, les, deux, euh, les deux MG34 de 792 aussi sur le char le même type de radio qui est le FuG FINF, donc euh, le FuG FINF, euh, et euh, le char euh, est utilisé en Russie en 1944 entre juin et août 1944 en France en Pologne aussi en août 1944 et euh, encore en Italie sans plus tarder. eh bien, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde les instructions de, euh, de ce char euh, et euh, qu'on regarde ensuite eh bien les grappes euh, dans les détails. à tout de suite, donc, nous nous voici avec notre, notre maquette de rifle model du donc, panzer iv Aus g ou h. voilà. donc, euh, la boîte, donc, je trouve vraiment que l'illustration est très, très jolie dans un premier temps. elle est faite par valérie euh, petelin, euh, donc cette année. donc, sur le côté de la boîte, vous pouvez voir donc les deux versions, la version G et la version H, donc avec les modifications euh, différentes euh, qui euh, qui sont apparues euh, sur les, les deux chars. Donc euh, pour la version version G, on a les lances pofumigènes sur les euh, sur les côtés de la tourelle. On a également et eh bien des plaques de blindage qui sont représentées ici en bleu, un petit un petit phare, euh, le canon, euh, le frein de canon donc euh, la bouche du canon qui est euh, qui est ici double avec donc sa version pour la version H. Euh, un blindage plus épais euh, et euh, non boulonné en fait euh, sur, euh, sur la version h les lances fumigènes qui disparaissent sur, euh, sur le, la tourelle. Et, euh, et donc euh, avec ça, donc, les, les shotsons qu'on peut présenter euh, à la fois complètes ou euh, manquantes ici. Donc ici, l'illustration montre bien les, euh, le train de roulement. Et euh, donc la différence qu'on avait ici donc, avec euh, les barbotins pleins, enfin en rayon plein, et euh, les barbotins avec euh, les rayons évidés. Voici. Euh, contrairement à euh, la version J qu'avait proposé euh, Emilien, qu'avait présenté Emilien au mois de décembre dernier, euh, cette, euh, cette boîte ici, vous ne pourrez pas présenter la maquette entièrement montée euh, avec, euh, avec des parties transparentes qui vont permettre de voir l'intérieur. Euh, avec le poste de, de pilotage, de, euh, de la tourelle, etc. parce qu'on n'a pas de, on n'a pas de, de pièces transparentes pour le, pour le glacis et puis pour euh, le haut de la superstructure. Donc, euh, eh bien, ce sera à vous soit de d'être extrêmement euh, futé et donc de euh, découper au sabre laser euh, dans la dans la longueur ou dans la largeur votre votre char. Ou bien de trouver un système à euh, vérin pour pouvoir monter euh, et voir l'intérieur euh, euh, du char. Voilà. On va passer tout de suite donc, aux instructions. Alors, pour les instructions, donc, on a ici un livre qui est euh, assez épais. Hein. On a, euh, donc, si je vais euh, jusqu'aux jusqu dernières étapes, on a 56 étapes en tout. Donc,. Euh, on a une ouverture avec l'ensemble des grappes, donc on en a quand même beaucoup. On a des grappes qui sont donc euh, en plastique, euh, on le verra plus tard, en plastique transparent aussi, mais comme je le disais, ça ne présente pas euh, le, euh, le glacis et puis euh, la, le haut de la superstructure. Euh, on a euh, du polycap, on a évidemment une, euh, une ficelle, on a aussi des pièces qui sont euh, imprimées en 3D, comme, euh, comme on peut le voir ici. Euh, de la photo-découpe et euh, des, euh, des patins de chenille et également euh, des décalcomanies pour faire les différentes versions et les différents types d'unités euh, de, euh, de ce char. On commence euh, évidemment par le fond de caisse euh, qu'on va commencer par détailler, euh, comme on peut le voir ici. Euh, ensuite, on va passer donc à l'arrière. On a à la fois donc pour chaque étape une partie pour l'assemblage. Euh, du AOSF euh, G, de la version G et de la version H. On vient ensuite euh, détailler euh, le poste, enfin euh, les, les, les équipements qui sont sur les, les deux cloisons euh, de, du châssis, les deux parties euh, externes du châssis. On vient ensuite rajouter l'ensemble sur le fond de caisse pour pouvoir et donc refermer l'ensemble. Euh, bon, ce que j'aime bien en fait avec avec enfin leurs instructions, c'est qu'en fait on a toujours des petites guides en rouge sur le sur le sur les sur les instructions pour pouvoir savoir où euh, placer exactement la colle. Donc ça c'est une c'est une bonne chose. Euh, de même euh, sur euh, on a les euh, la version G et la version H qui sont expliquées ici. Donc vous avez le choix entre les deux versions. On vient Ensuite, rajouter les, euh, les garde-boue avec euh, la partie euh, à l'arrière ici qu'on vient commencer à détailler pour euh, toute euh, toute la partie moteur, l'assemblage du moteur ici. Donc qui est euh, qui je pense est euh, bien détaillé, honnêtement, on a pas mal de pièces pour le moteur. On a toujours de l'infographie qui vient euh, euh, présenter euh, le, soit l'agencement des pièces, soit eh bien, euh, comment, euh, comment euh, bien positionner euh, l'ensemble des pièces et les coller. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est très très bien détaillé ici sur, euh, sur, ce, euh, sur, ces, sur ces instructions. On poursuit toujours avec le moteur, euh, qu'on vient ensuite passer dans le compartiment moteur avec la cloison par feu euh, qui vient donc fermer euh, l'arrière du, euh, du char. Tout le système de ventilation et de radiation, euh, radiateur du, du, euh, du char. Donc, toute la première partie de la maquette est essentiellement euh, euh, destinée à, euh, eh bien, à, à présenter toute la partie arrière du, euh, du blindé. On passe ensuite avec le poste de combat et le plancher, les batteries. On vient euh, rajouter euh, ici en option donc euh, les munitions, enfin les caisses à munitions, soit avec donc ici uniquement euh, le, cul des, euh, le cul des obus euh, qui sont présentés. Donc on peut présenter soit, soit ouvert, soit fermé, c'est au choix. On a la cloison euh, arrière euh, qui vient faire la séparation euh, entre le plancher de combat et puis euh, le poste de pilotage et de radio. Euh, et on passe ensuite à eh ben, toute la partie transmission qui, là encore, est extrêmement bien détaillée. Euh, donc euh, ici, euh, le poste de pilotage, la transmission directement au barbotin, le, euh, la, boîte, euh, la boîte de transmission, les, euh, toujours l'infographie qui vient présenter euh, l'agencement des pièces pour pouvoir les coller dans le bon ordre, tout le système euh, aussi de transmission qui est ici au niveau du plancher. Et on passe ensuite eh bien, à la boîte de transmission, toujours avec, des, avec énormément de pièces hein, sur, sur, sur ce char. On vient passer ensuite au poste de pilotage et pour euh, le mitrailleur euh, et radio, donc le, les placements des sièges. Encore euh, les caisses à obus euh, qu'on peut présenter ici ouvertes ou fermées. Alors ici, on a le choix, je crois, entre trois euh, différents types d'obus. Euh, donc là, euh, vous pourrez euh, représenter euh, les caisses euh, soit ouvertes, soit fermées. Donc ici, on est sur quand même beaucoup, beaucoup de détails, les, euh, les demi-cloisons aussi. Euh, et on a à la fin donc un poste euh, intérieur qui est complet. Et donc, on va pouvoir commencer à travailler sur euh, eh bien sur tout le système de, euh, de train de roulement euh, du char. Donc ici, eh bien on a les poulies tenseurs. On a euh, également euh, l'ajout euh, des, euh, des maillons de rechange, donc ici, qui sont en fait, euh, qu'on qu vient placer so euh, par, euh, par portion de maillon, en fait. Et on vient rajouter quelques maillons individuels. Et on vient ensuite rajouter les axes qu'on vient coller à l'intérieur. On verra tout ça en détail avec les grappes. Et euh, le glacis, le glacis avant, donc la version G, la version H, le collage du glacis, la mise en place euh, des euh, galets de route les euh, les poulies de renvoi, encore des racks euh, très très bien détaillés euh, pour les euh, les obus donc ici on voit les trois différents types d'obus avec leur marquage euh, respectif donc là ce sera à vous euh, de euh, de, euh, de bien agencer de présenter soit le, le véhicule avec son armement complet soit avec euh, avec un armement partiellement utilisé vous avez euh, les, euh, les euh, le système de suspension qui est aussi euh, fonctionnel. Il vous suffit de, de retirer une petite pièce sur euh, sur euh, bien sur sur le, la, la partie de la suspension pour pouvoir faire en sorte que eh bien euh, les, les galets de route puissent euh, pivoter légèrement. Donc ça c'est un vrai plus. Et ensuite on vient euh, donc placer euh, le, euh, le tout le train de roulement. Euh, donc pour cela, on a le gabarit, on vient coller chaque, enfin, déposer chaque maillon sur le gabarit et puis coller euh, les axes euh, sans trop aller loin euh, enfin avec la colle pour, afin qu'on pu, qu puisse avoir des, des chenilles qui soient mobiles puisque le, le but étant qu'on euh, qu ait un, un ensemble tout à, fait, euh, tout à fait mobile et à la fois euh, pivotable pour euh, les galets de roulement. Euh, encore à nouveau ici, bien faire attention entre la version pleine et la version évidée des barbotins. Petite erreur informatique, enfin infographique ici avec le, le capuchon de, de, de colle qui est, qui est manquant, peut-être est-il ouvert. On ne sait pas, ça risque de s'évaporer. Euh, à nouveau, on, bien, on a les, les munitions pour la mitrailleuse, les outils du lot de bord euh, qui, donc, qui viennent se coller sur, sur, le, sur les garde-boues. On, peut, on poursuit en, euh, avec. Ben on va commencer par à refermer euh, le haut de la maquette. Donc, ici, la ventilation. Euh, L'AMG34 euh, qui est euh, en extrêmement bien détaillé, puisqu'on a énormément de pièces. La partie avant euh, avec euh, les ports de vision et pour la mitrailleuse. Un peu de photo-découpe au, au niveau des caisses ici. Le poste de radio qui vient se placer à l'intérieur, donc on commence à travailler sur le haut de la superstructure ici. On peut évidemment représenter les trappes ouvertes ou fermées. Évidemment, si vous voulez montrer l'intérieur du char, je vous conseille quand même de les garder ouvertes, puisque je vous le rappelle, on n'a pas de pièces transparentes pour, pour, pour l'intérieur. Pour montrer l'intérieur du moins. Euh, le système de ventilation à nouveau. Et ensuite on, vient, ensuite, on vient refermer tout ça, rajouter les galets de rechange. Euh, et euh, le, tous les, tous les restes, le reste des outils. On termine, enfin, on termine, on poursuit avec les shirtsons euh, qui sont ici pleines, elles ne sont pas ajourées sur les versions G et H. Euh, donc, les shirtsons pleines, donc, qui sont en photo-découpe. On pourra les présenter endommagées, évidemment, ou manquantes, partiellement manquantes, ou totalement manquantes. C'est à vous de voir. Et on vient s'intéresser, donc, maintenant, au niveau euh, du, euh, du canon, avec tout le travail sur la culasse très détaillé à nouveau euh, le montage du canon les différents postes les trois sièges donc qui viennent qui viennent se positionner au niveau de la tourelle et, euh, et enfin l'ajout la des différentes des différentes pièces l'ensemble est euh, parsemé d'endroits qu'il ne faut pas coller parce qu'évidemment on va pouvoir eh bien tout euh, tout tourner tout euh, tout euh, tout modifier dans ce dans ce dans ce Panzer 4 donc ça c'est une très bonne nouvelle L'intérieur euh, du, euh, du toit de tourelle à nouveau qui est ici présenté. Là, toujours de l'infographie, le positionnement des en pleine sur, sur, euh, sur la tourelle ici, le, le dépôt, le, le placement du tourello, l'AMG34 euh, du toit de tourelle avec euh, le rail. Euh, final et évidemment la dernière, pierre, la dernière partie qui est l'assemblage enfin, des deux parties et l'ajout de la tourelle. On va passer maintenant euh, au, euh, au profil de couleur. Ici c'est à nouveau Amo by Migrimenes qui, euh, fait, euh, qui propose une peinture intérieure euh, pour, euh, pour, euh, pour ce char. Avec euh, donc les différentes, euh, les différentes parties, ici, euh, les différentes euh, peintures à utiliser. Et me semble-t-il que le, le petit coup de gueule d'Emilien de, a été entendu parce que eh bien, ce n'est plus Amo qui, euh, qui propose les profils, mais cette fois-ci, c'est Mr. Hobby qui propose 5 euh, euh, infographies euh, de, de, de ce charge, 5 profils. Donc, on a un Panzer 4G euh, de production tardive. Euh, qui est euh, de, euh, du 35e régiment en juin 1944 sur le front de l'Est, le secteur nord de Kursk euh, en 1943, en été 1943, toujours en 1943 avec le Panzer G, euh, qui est toujours au niveau de Kursk, le Panzer G à nouveau sur un front italien avec une, une couleur euh, monochrome et. Euh, un seul profil pour le panzer h pour la version h qui est en italie euh, donc bon on a cinq profils c'est pas trop mal c'est assez déséquilibré parce qu'on a beaucoup de profils pour le panzer g et peu de profils pour le, le panzer h mais euh, voilà bon après c'est des chars qui sont assez emblématiques donc je ne doute pas que vous trouverez euh, de, de nombreuses références euh, beaucoup plus précises que celle-ci je, je le dis euh, si on compare en fait les, les, les infographies on se rend compte que eh bien, les, les détails ne correspondent pas tout à fait ici on a une partie qui est un peu évidée qui correspond pas tout à fait ici à ce qu'on pourrait avoir et de même il me semble sur la partie avant ici ça va mais euh, là par exemple ce ce, ce détail là de, de, de l'arrière de la tourelle ne correspond pas à ce qu'on a ici par exemple donc, c'est un petit peu dommage euh, qu'on n'ait pas euh, un travail qui soit un peu plus fourni sur, euh, sur ces profils-là. Donc, ce sera à vous de trouver de meilleurs profils. Je sais que vous en êtes capable. Voilà. De même, hein, ici, on a, on a des, des, des motifs qui ne correspondent absolument pas à ce qu'on a euh, sur, les, euh, sur, les, sur les dessins. Voilà. Un petit peu dommage, mais bon, voilà. C'est bien d'avoir euh, quelques profils, mais euh, mieux vaut qu'ils soient quand même précis lorsqu'on a. Une maquette de cette qualité là. Voilà, sans plus tarder, eh bien, je vous propose de passer eh bien, aux, euh, aux, euh, aux grappes à proprement parler et on va regarder tout ça en détail. Très bien, commençons déjà par ces deux premières grappes qui sont euh, les grappes qui sont dédiées au train de roulement essentiellement. Donc, comme vous pouvez le voir, les galets de route présentent euh, les, les marques du, du fabricant. On a également le gabarit qui nous servira à placer euh, les maillons de chenille. on a également aussi bien la poulie euh, de renvoi et le barbotin Donc ici est euh, vidé pour la version h et plein pour la version g. voilà quelques lames euh, de suspension D'autres détails, donc là vous pouvez vraiment voir que les détails sont relativement, vraiment très très fins hein, sur ce qu'on a. Ça c'est très très bien. Les moyeux et euh, voilà l'ensemble des pièces. Donc on a des pièces qui sont euh, assez fines quand même sur cette, euh, sur cette maquette. Alors je vous montre ici euh, les euh, les euh, les euh, garde-boues pardon. Donc ici les garde-boues sont présentés avec leur face externe ici et interne. Donc comme vous pouvez le voir, on a vraiment des détails qui sont très très fins avec euh, avec la partie antidérapante. Donc les détails sont simples mais ils sont bien présents et ils sont magnifiquement rendus. Je vais prendre par exemple. Ici, on a des beaux détails avec tous les boulons qui sont bien représentés. Et si je passe sur la face interne des garde-boues, eux aussi sont représentés ici. Mais on remarquera que sur bon nombre de pièces, on a beaucoup de pastilles d'éjection qu'il faudra combler. Elles sont en négatif. Donc il va falloir les combler puis les poncer. Elles sont parfois malheureusement placées, hein, ça va demander un travail de précision. Mais, euh, mais voilà, bon après, on ne peut pas vraiment faire toujours autrement, mais voilà, il faut quand même savoir que ces pastilles d'éjection sont présentes sur la majorité des pièces, et, et notamment sur la partie évidemment interne euh, des pièces. Donc c'est quand même positif, hein, mine de rien. Mais euh, voilà, on a, on a de, des pastilles d'éjection sur, sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de pièces. Voilà pour les garde-boue. Tous les supports de Shurtsun aussi sont présents. On a les Shurtsun donc pour, euh, me semble-t-il, ici la tourelle. Voilà. Je vais relativement vite ici. On a donc les détails euh, sur les grilles, de, euh, donc les grilles de la plage moteur, hein, évidemment. Les outils, les lampes, euh, les lampes, les différents outils qu'on va pouvoir retrouver, les crochets. Voilà l'antenne que vous retrouvez ici. Hop, voilà. Donc, voilà, l'ensemble est euh, bien, bien représenté, mais évidemment, comme je soulignais toujours, euh, les pastilles d'éjection qu'il faudra combler puis poncer. Certaines sont en négatif, certaines sont en positif. Donc, c'est à vous de faire jouer vos limes, vos cols et un peu d'huile de coude. On passe aux éléments principaux euh, cette fois-ci intérieurs avec eh bien, le moteur, d'accord, donc ce fameux Maybach, euh, avec euh, le moteur, les trans, la, la boîte de transmission, euh, l'ensemble euh, des, euh, des éléments internes du moteur. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir, l'ensemble est parfaitement détaillé. On a des pièces qui sont assez fines, toujours euh, du ponçage et euh, du remplissage à faire. Mais euh, ici, on a des pièces qui sont quand même parfaitement, euh, parfaitement moulées et qui euh, présentent des détails vraiment fins. Euh, donc là, ça, ça c'est un vrai, vrai, vrai plaisir. Hein. Là, pour ceux qui, euh, qui aiment vraiment les détails, je pense qu'il y a de quoi faire. Bon, il y a du nettoyage hein, évidemment ici à réaliser. On a voilà des ici de protection hein, pour éviter que les pièces se cassent. Mais euh, dans l'ensemble, on a quand même un travail de qualité sur cette maquette avec des détails relativement, enfin même très fins. Donc euh, ça risque d'être un vrai plaisir. Je poursuis avec ici eh bien, toute la partie euh, euh, de, euh, de la tourelle. Donc à nouveau, euh, le, le bas de tourelle, euh, dans, avec ces deux versions différentes, on en a deux hein, ici. Donc une version G, une version H, toujours un travail de nettoyage à faire euh, sur, euh, sur les pastilles d'éjection. Le plancher ici qui, euh, qui est magnifiquement représenté aussi avec tout, toujours cette surface antidérapante. Donc on est sur des, des détails fins, pardon. Euh, sur euh, voilà, sur, on, on sent qu'il y a eu un travail de recherche. Voilà. On passe à la tourelle ici. Donc là encore des détails fins, des lignes de soudure assez régulières. Donc bon, pour ceux qui veulent pousser le vis, vous pourrez euh, toujours les refaire. Mais, euh, mais très honnêtement, c'est un travail euh, c'est assez fin et, euh, et c'est très très largement suffisant les charnières ici donc, qui sont représentées pour les trappes latérales de la tourelle et l'ensemble des détails et rivets boulons vis etc sur sur cette partie. On poursuit euh, avec euh, donc euh, le, haut de, le haut de la superstructure. Donc ici, toujours des détails très très fins, comme vous pouvez le voir. Euh, mais euh, comme, comme je le disais, euh, contrairement à la version J de la même marque, eh bien on n'a pas, euh, pas de haute de, de caisse qui est, euh, qui est transparent. Ici, on est sur du plastique, euh, du plastique euh, ben, opaque. Hein, euh, et euh, il en va de même pour euh, ben, toutes, les, toutes les pièces. Donc ici, il ne faudra pas se faire d'illusions, vous ne pourrez pas présenter une maquette transparente qui présente l'intérieur euh, du char, euh, qu'on soit clair. Le bas de caisse, ici, alors ça c'est les parois latérales, mais ici le bas du châssis, donc avec des détails assez fins, hein, toujours. Hein. Le fond de la caisse, donc tout, là encore, avec un travail de nettoyage à, à proposer. Mais euh, comme vous pouvez le voir ici aussi sur les parois euh, latérales du, euh, du châssis, on a des détails qui sont très très fins euh, et vraiment parfaitement représentés. Donc là, c'est euh, du bonheur. Hein. C'est vraiment du bonheur. Voilà. Mais toujours un travail de nettoyage à effectuer à des endroits parfois pas faciles d'accès. Mais voilà, c'est tout. Hein. C'est euh, la passion qui doit primer sur l'ensemble. Donc vous pouvez voir qu'au niveau grappes, on est quand même largement servi. Hein. Ça explique bien euh, la raison pour laquelle on a une boîte aussi, euh, aussi imposante. Donc là, sur, sur la partie plastique, plastique non transparent et euh, plastique pur, on a quand même de quoi faire. Euh, Je n'ai pas compté le nombre de grappes, mais euh, on, est, euh, on est facilement à plus d'une vingtaine de grappes. Donc, euh, donc là, il y a un vrai travail. Euh, C'est une maquette qui va quand même demander un peu de temps. On va passer aux éléments maintenant en photo découpe, donc je vous montre ça tout de suite. Donc, nous avons donc deux planches de photo découpe une euh, qui, euh, se, euh, qui euh, voilà, traite euh, principalement des shots, qui sont pleines ici, hein, les jupes latérales. Euh, donc, euh, donc voilà. Et une deuxième qui est bien pour euh, tous les éléments à la fois mécaniques, mais aussi le rack à obus. Euh, et euh, d'autres pièces, euh, voilà que, que vous avez pu voir dans, les, dans, les, dans la notice d'utilisation. Mais donc on est sur, sur une planche qui est relativement réduite, mais euh, qui a le mérite d'exister et euh, qui, me semble-t-il, euh, viendra euh, parfaire les, euh, le, le reste. On passe aux chenilles. Donc les chenilles euh, ici, euh, les patins sont individuels. Alors. Sur, sur les maillons de chenilles, eh bien, vous pouvez voir voilà, que sur, sur chaque grappe, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 maillons. Donc 12, 12 maillons individuels pour les, pour les chenilles. Donc voici la face externe qui est très très bien représentée. Alors évidemment, si vous voulez faire une version hivernale, il vous faudra des maillons différents. Euh, donc là, essayer de voir sur euh, d'autres du, euh, du, euh, modèles en plastique ou d'autres euh, des, des chaînes, en, des maillons en, en métal. Mais euh, l'avantage ici, c'est qu'on n'a aucune pastille d'éjection euh, sur, euh, sur ces chenilles, euh, les pastilles étant euh, bien sur les sur les liens euh, qui, viennent, euh, qui viennent faire. Donc très peu de travail de nettoyage. Donc ça, c'est une vraie aubaine. Et euh, donc comme je, le disais, on va donc donc, comme je le disais, on va utiliser. comme je disais, on va utiliser le, euh, le gabarit pour pouvoir placer les différents maillons ici. Alors, je ne vais pas le faire, mais vous, pouvez, vous pourrez placer les différents maillons. Hop. Voilà, vous pourrez donc placer les différents maillons et vous aider euh, des... des guides ici. Donc, qu'il faudra prendre soin de nettoyer. Enfin, nettoyer. Donc, de il faudra en retirer la partie, euh, la partie euh, supérieure et inférieure pour n'utiliser que cette ligne d'axe ici pour pouvoir les insérer eh bien, dans vos maillons une fois que vous aurez, euh, vous aurez collé. Donc, vous avez à chaque fois la version 1, la version 2, d'accord Donc, il faudra faire attention à, à ne pas mélanger. Donc, pour chaque pour chaque euh, chaque longueur de, de chenille que vous ferez, vous devrez mettre me semble-t-il le 1 de ce côté-ci et le 2 de ce côté-là ou inversement, mais euh, quoi qu'il en soit voilà, c'est la manière dont, euh, dont on va pouvoir monter les différents euh, les différents maillons euh, sur cette euh, sur ce sur ce char. Donc ça c'est euh, bien. Je trouve que c'est un, un système très très un, ingénieux euh, et euh, qui va permettre d'avoir des chenilles qui sont mobiles. Donc ça c'est un, un vrai plus. Je passe euh, du polycap pour nos voitures en voilà. On a quelques pièces transparentes également. Hop, on va faire un peu de ménage. Donc on a également quelques pièces euh, transparentes ici. Donc euh, voilà pour tout ce qui est euh, périscope, port de vision. Euh, et euh, donc là ouais on a, on a vraiment de quoi faire pour pouvoir euh, détailler ici euh, une maquette euh, dans son ensemble. On prendra garde tout de même à quelques pastilles d'éjection, à moins que ce soit des pièces ici, mais j'ai l'impression de voir des pastilles d'éjection sur cette pièce-ci. Je vais essayer de vous donner ça avec le reflet. Voilà. Euh, donc, euh, donc voilà. Sur la planche de décalcomanie, on va retrouver l'ensemble des marquages pour chaque type d'obus quelques euh, numéros d'unités on va retrouver aussi les éléments du tableau de bord et les indicateurs et de l'autre côté encore quelques marquages euh, de, de Rifield sur différentes unités allemandes voilà qui correspondront eh bien à la maquette que vous voulez réaliser et enfin bon on a un dernier un dernier élément qui est le petit câble en nylon pour pouvoir euh, représenter la maquette. Euh, avec, avec son câble de remorquage. Avant de terminer, euh, je voudrais vous montrer euh, quelques euh, pièces qui sont, euh, qui sont des ajouts. En fait. euh, ici, Riffle Model propose des pièces qui sont en, en, euh, en impression 3D. Donc, sur la notice, vous avez euh, le choix, notamment pour ces crochets, euh, vous aurez le choix euh, entre la pièce, les pièces en plastique et cette pièce en... Euh, en, en 3D en impression 3D donc je vous le montre ici donc on est sur euh, voilà sur des crochets qui sont bien représentés donc un peu sur euh, voilà sur leur grappe d'origine donc vous avez euh, des détails qui sont fins c'est des pièces qui sont assez fines hein. et, euh, et donc euh, donc voilà c'est euh, une c'est une bonne chose que d'ajouter de, que euh, des pièces en, en impression 3D ici euh, on regarde les euh, les culs de d'obus, hein, euh, donc que vous avez ici qui sont imprimés en 3D. Donc ça c'est un, un ajout qui est fort bienvenu. Pour conclure, eh bien cette maquette de Rifle Model, donc qui est euh, la référence 50 55 au 1 e du Panzerkampfwagen 4, 4 Ausführung G ou de H. Euh, avec son intérieur complet, je pense que c'est une maquette qui euh, va donner beaucoup de plaisir euh, aux, aux fans de détaillage euh, à outrance, euh, même s'il y a toujours d'autres choses à faire, mais, euh, enfin, d'autres détails à apporter. Mais je trouve que cette maquette a vraiment le, le mérite euh, d'exister et de, de fournir vraiment un intérieur qui soit complet avec des détails qui sont relativement fins. Euh, je regrette euh, pour ma part quand même euh, que ce, ce travail-là ne soit pas mis en valeur par, par des éléments transparents qui permettraient de voir l'intérieur de la tourelle et l'intérieur du, euh, du, du poste de combat et du moteur. Je trouve que c'est un peu dommage parce que tout ce travail là sera bah, indubitablement euh, euh, obstrué par, par par ces éléments en plastique opaque mais euh, quoi qu'il en soit euh, ça reste quand même euh, une maquette qui va donner beaucoup de plaisir je le sens à, à pas mal de, de, de fans euh, on peut aussi regretter quelques profils approximatifs et euh, assez limités et peu équilibrés entre les deux versions g et h mais là encore euh, je sais que le, le travail d'historien euh, historique que vous ferez euh, pour cette maquette euh, effacera, effacera ces quelques, ces quelques approximations euh, et déséquilibres. Mais dans tous les cas, vraiment, c'est une maquette que, que, que je pense pouvoir, euh, euh, avec du temps, faire. Euh, mais euh, mais après c'est pas mon c'est pas mon, mon kiff de de, de détailler l'intérieur des maquettes mais mais euh, mais néanmoins si si c'est quelque chose qui vous plaît allez-y foncez je pense qu'il y a de quoi se faire plaisir et, euh, et voilà euh, cette vidéo des chroniques du blindage euh, se termine. Euh, je euh, vous remercie euh, d'avoir euh, été euh, patient et euh, d'avoir suivi avec euh, enthousiasme cette, euh, cette revue de détails. Euh, je vous dis à bientôt euh, pour de nouvelles vidéos. Et puis euh, bah, d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner euh, à la chaîne et euh, pour être tenu au courant de toutes les mises à jour euh, en termes de maquettes. À bientôt!